J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR de temps monocylindre. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuif et des batteries? Elle m'a dit, non, je la garde, par contre, tu peux me maraver la chatte qui m'a dit, la grosse bâtarde de mort, de mort, de mort. Ça a été fait à la bouserie. Hein. C'est la bouserie qui a fait ça. Ouais, la bouserie qui a fait ça. Non, là, c'est que j'ai mis cet axe-là en attendant, et j'ai mis ce joli axe-là aussi en attendant. Tu t'appelles ça joli, toi? Ouais. On dirait, comment on appelle ça, c'est pour autour du temps? C'est quoi déjà? Comment on appelle ça? Autour du temps? Un piquet? Non. Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. C'est un nom spécifique. Pourquoi il donne un nom spécifique à ça? C'est connard aussi. Grain. Bon, les amis, aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la 103. Bah, je suce quoi? Je me suce moi, frère. C'est ma vidéo. Ouais. Faut tu l'assistes à Brel. Faut bien que je dise, je suis content de faire ma mobilette. Mais oui, je suis content de faire ma mobilette, mec. Ah, tu l'assistes à Brel. Bon, déjà, on a reçu un petit colis de Scootfast. Ah, le beau porte-bagages. J'en avais un, mais il était un peu fissuré et tout. J'en ai repris un neuf. Voilà. Tac. Un petit garde-boue avant. Vintage. Vintage. D'ailleurs, très bientôt, vous allez avoir... Sur la moto, là. Vous allez avoir sur mon site... Sur motocyclette, là. Tu vas pas mettre ça, là? C'est moche comme un... Mais il est bien, t'as... Comme un super 6D, tiens. Garde-boue arrière, vintage. Il y aura bientôt un nouveau t-shirt. Vintage, édition 2.0, les amis. Attention, filtre air tuning. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. Gaine pour le cap d'accélérateur. Tac, tac, tac. Ça, c'est beau aussi. Petit câble. Ça me dit pas que c'est beau ça. Mais arrête. Si c'est beau mec. Non. Un banjo, un deuxième banjo, une grande gaine très longue pour pouvoir faire tout toute la mobilette. Mes amis. Une boîte à outils Peugeot 103, une pige de calage pour caler mon allumage. Je veux dire c'est beau ça. Mais non, mais faut pas le mettre comme ça mon gars. C'est pas une mobilette de franchissement. Mais c'est l'arrière ça idiot. Ah oui. C'est con mais qui est con. Ça fait peur. Et Le gros filtre à air, j'ai même pas entendu, je sais que ça mal aussi. Et non, c'est pas mal aussi. Ouais, non, on aurait bien mal aussi alors. Et là, regarde ça mon copain, le deuxième méthylène identique à l'autre. Parce qu'en fait, ça me saoulait de mettre mon vieux qui est là. Du coup, je voulais le même que celui-là. Donc là, on aura les deux mêmes freins. Ça va faire, ça va faire beau. On peut te dire que le filtre à air... Mais putain, mais attends 5 minutes avant de tout monter, toi, tu nous casses les couilles. Oui, je sais, comme toi, tu sais, quand tu dis je vous laisse sur un petit accéléré, et qu'en fait, tu continues encore à parler pendant 4 minutes, tu lui fais chier. Ah, d'accord. Ouais. Je le dis à la place de tes abonnés parce que tes abonnés, vu qu'ils t'ont pas en face d'eux. Chien moustache. Ah oh non, il est pour toi celui-là, Babas. Non, moi j'aurais pu dire.
Bon les amis, oh mon dieu, je me suis lâché. Non, je rigole, c'est une petite vidange. Là les potes, eh ben, on n'est pas trop mal. Frein avant, purgette. Là, il y a du frein. La grande gaine de frein arrière, purgette. Allumage, voilà. Bon, bah, là, je suis en train de bidouiller le tas de merde de fil. Donc, en fait, j'ai simplement branché ma bobine, voilà, qui elle, donc là, on a une petite masse. Ça, c'est pareil, ça a branché sur la masse du cadre. Je vais simplement positionner ma petite bobine. Là, je faisais le contrôle de tous les branchements et j'ai fait un essai, si tu veux, en faisant tourner mon vilo. Tu vois. Est-ce que tu vois l'étincelle ? Voilà. Donc, bah, le système d'allumage, il fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir brancher tous mes fils, les faire passer, etc., etc. Et il va falloir que je cale mon allumage. En fait, je me suis mis au milieu ici sur le rotor, sur le stator, pardon, pour pouvoir jouer avec ma pige de calage. Une pige de calage, en fait, c'est une petite pièce que tu vas mettre à la place de la bougie pour pouvoir caler l'allumage et que l'étincelle se fasse au bon moment. Et en gros, le piston, quand il est tout en haut, c'est là qu'il faut que l'étincelle explose. Mais ça se cale à des millimètres, parce que c'est pas tout à fait tout en haut, c'est un petit peu avant le temps que l'étincelle s'allume, mais vu que ça va très vite, etc. Donc pour ça, on utilise une pige de calage. Merci Scootfast, j'ai envie de te dire. Voilà, donc c'est ça. Et c'est ça que tu viens régler, en fait, pour pouvoir être calé niveau électroniquement... Du top. Donc là, je vais caler la petite pige de calage. Je vais monter mon petit câble de gaz avec ma petite poignée de gaz. Voilà, il me reste un petit filtre à air tuning, merci Scootfast, à poser sur mon petit carburateur. Petit robinet d'urite d'essence. Et puis, bah, je pense qu'on va pas loin de la première mise en route, les amis. Bon, voilà où, les amis. Ah, ça fait plaisir. Je vais pas te mentir. Alors là, petite 103 finie. Pas à 100%, ce serait mentir. Mais elle est finie. Elle est presque finie. Qu'est-ce qu'il me reste ? Mettre mes petits carénages latéraux. Voilà, qui vont être rouges aussi. Donc là, je les ai pas reçus encore. Juste mettre mes petits carénages latéraux. Et refaire une peinture de bras oscillant. Mes amis. Parce que bah, j'ai ressoudé pas mal de petites choses au niveau du freinage, etc. Donc bah, là, j'ai tout fini. Toutes les... D'ailleurs, il faut que je mette un petit truc ici, que ça frotte pas trop. J'ai fini les purges de frein. Donc j'ai reçu cette grande durite qui fait presque 2 mètres, là. Elle fait 1 mètre 80. Que j'ai branché. Ça a été une galère à purger. Alors, je me suis pas pris la tête. Moi, ce que je fais quand je galère à purger... Parce que là, en fait, si tu veux, l'étrier, il est monté en position inversée, il est à l'envers. Donc les bulles d'air, elles ont tendance à pas bien dégager. Donc j'ai démonté tout le système, et je l'ai posé, et j'ai mis l'étrier vers le haut. Et j'ai mis une espèce de pompe qui aspire au bout, là. Et comme ça, dès que j'ai ouvert, ça a aspiré vraiment tout le liquide. Et c'est bien passé crème. Tu pètes ta tête, mon gars. Et là, en gros, t'es en train de monter un truc mieux réussi que le mien. Non, bah non, parce que c'est deux projets différents, mais guette-moi quand même. Elle est belle, celle-là. Ouais, bah, après, ça t'aide, mais t'as vu. Ils ont pas t'as vu, elle est en mode. Ouais, elle est en mode chopper. C'est un chopper. Mais toi, tu viens, tu présentes la brèle sans moi, quoi. Bah non, mais je sais pas, je faisais ça, moi. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, toi, vas-y, je vais fumer ta chicha pendant que tu finis ta brèle. Non, non, attends, on va fumer une chicha après, bâtard. Donc, voilà, les amis. Donc, j'ai purgé tout le système, j'ai repositionné ça. Donc vous voyez, la surface de frottement des plaquettes s'arrête ici. Et ça, par contre, ça freine bien. Je vais pas te mentir, elle a des freins, la brèle. Bah voilà. Donc là, le moteur est en rodage, les amis. Ça fait un beau petit bruit. Petit rodage du Seigneur. Je vais rouler tranquillo. Je vais affiner les réglages carbu.
parce que là on a faut que je change le gicleur, là j'ai beaucoup trop d'air qui arrive et j'arrive pas à faire un bon réglage, donc il faut que je change le gicleur. Petit porte-bagages magnifique. Donc j'ai remis un garde-boue d'origine arrière, sauf que normalement le garde-boue il descend jusque là. Et là je l'ai recoupé, tu vois, comme ça, vu que c'est une brêle qui est rallongée, je trouve que ça passe crème comme ça. J'aime beaucoup le fait que du coup on voit l'arche ici, donc on voit bien que la roue est complètement décalée. J'aime beaucoup. J'ai remonté la petite boîte à outils, j'ai monté le petit garde-boue avant, j'ai fait la purge frein avant, frein arrière, j'ai mis mes petits revêtements, voilà. J'ai mis mon petit robinet d'essence, le petit carbu. Bon là je suis en train de faire les réglages, donc j'ai mis un bout de filtre à air de motocross que j'ai mis avec un collier juste pour pouvoir faire mes petits réglages, mais ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Donc voilà, ça tourne, c'est rigolo, ça tourne bien. Mais bon là je pense que même en rodage je dois déjà rouler à 70 on va dire. Donc tu sais c'est vrai, quand j'ouvre un peu trop grand la poignée de gaz, tu sens qu'elle est mal réglée. Donc va falloir que j'affine ça, mais c'est vraiment très pointu sur ces petits moteurs 50. C'est pas comme une grosse bécane où c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, pour aller chercher le pain déjà ça va le faire. Ça me fait quand même beaucoup de jouets pour aller chercher le pain en ce moment. Hein. Mais je suis très content. Je suis très content que ce projet il soit abouti, qu'elle soit finie, qu'elle démarre, que tout fonctionne, parce que ça a été un demi-chantier, ça a été long, on a eu pas mal de péripéties, comme on dit. Merci mille fois à tous ceux qui m'ont soutenu dans le délire, que ce soit mon petit Arnaud pour la peinture, qui nous a fait un truc vraiment magnifique, encore merci. Sellerie Tendance pour la selle, comme d'habitude, travail de très haute qualité. Et puis Scoot Fast pour toute la partie mécanique et accessoires. Tout ce qui est durée de frein, échappement, le moteur complet, hein, faut rappeler, ils n'ont pas blagué, ils m'ont pas envoyé quelques pièces, ils m'ont envoyé un moteur complet. Amortisseur, barre anti-rapprochement, phare, fourche, garde-boue, porte-bagages, carburateur, allumage, MVTDD, interne, digital direct, le bordel il prend 25 000 tours minute. Les carters Poligny, le vilebrequin Poligny, les roulements de vilebrequin Poligny, la boîte à air, la boîte à clapet Poligny, cylindre, piston, culasse Poligny, rotule, échappement Doppler, courroie Doppler, les calepiers tuning. Enfin, franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être soutenu là-dedans. C'est cool. Je trouve ça trop cool, les amis. Un beau petit projet qui aboutit. Je vous referai peut-être une vidéo, un de ces quatre, j'en sais rien, une petite vidéo, juste des belles images où je reroule avec, je vais pas refaire un épisode pour la peinture qui manque et les carénages. Ça sera des petits trucs que je mettrai en plus quand elle sera 100% finie sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, je vais pas te mentir. Et donc voilà, je trouve ça vraiment trop cool de faire des beaux projets comme ça qui aboutissent. Ça me fait vraiment kiffer. Merci à tous. Merci pour vos bons commentaires bienveillants, pour vos encouragements, pour tous les bons messages, toutes les gentillesses que je reçois quand je vous croise, quand je vous vois, quand on s'est au téléphone, quand on fume une chiche ensemble, quand c'est rien qu'un petit mot ou un commentaire laissé sous une vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Je suis un peu bourrin, je suis un peu, tu vois, on s'en branle de tout, mais ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, ça fait... C'est kiffant, quoi. Vous pouvez pas vous rendre compte, c'est un truc de ouf. Donc merci à tous les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à ultérieurement. Voilà. Allez, trompette. J'arrive dans la campagne de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez-y.